diere una, să mentiere una. Să-mi duiere o, să noi îndecheie una. À la mémoire d'Amadou Ampateba. La leçon du caméléon. Jeunes gens qui devaient affronter l'existence. Avant que de brûler vos ailes au néon, osez et méditez la leçon que dispense par son comportement le vieux caméléon. Quand il marche, jamais il ne tourne tête. Concentré sur son but, il avance, instinctif. Soyez déterminé, que rien ne vous arrête, comme lui, pour atteindre votre objectif. Parfois, il bouge les yeux, en haut, en bas, devant, derrière. S'intéresse au monde autour de lui. Soyez curieux, sortez de votre ornière et sachez profiter du message d'autrui. Quand il prend la couleur de l'endroit qu'il visite, n'y voyez pas sournoise et lâche hypocrisie. C'est de la tolérance envers le nouveau site et pour ses habitants, respect et courtoisie. Du terrain qu'il visite, il sonde la surface pour ne pas s'enfoncer dans des sables mouvants. Et sa queue le retient quand le péril menace. Assurez-vous ainsi en allant toujours de l'avant. Pour capturer une proie, il projette sa langue qu'il ramène sans rien s'il fut trop orgueilleux. Évitez vous-même une surprise exsangue en n'ayant pas plus gros que le ventre, les yeux. Avant de partir pour la grande aventure, retenez la leçon, ce n'est pas vous charger, mais de quoi éluder de fâcheuses postures et du caméléon demeurer l'obligé. Moi, je voudrais aussi attirer votre attention pour tous ceux qui arrivent sur les bénévoles. Donc, vous reconnaîtrez un bénévole à sa charmante carapace bleu azur. Donc, les personnes qui portent ce t-shirt se sont engagées à être d'une bienveillance, d'une patience, d'une empathie absolue. Donc, mettez-les au challenge. Arrivez avec les demandes les plus saugrenues possibles. Ils ne doivent pas craquer.
mais on a 2 jours et demi vraiment pour célébrer autre chose. Non, parce que on te dit toujours, ah ouais, moi je mange cru, je suis régénéré et tout. Mais ça, à la limite, c'est un label, mais ça doit se voir dans ta façon de vivre, dans ta façon de relationner, dans ta façon de te positionner, dans ta façon de t'impliquer dans les choses. Donc pour montrer que c'est autre chose qu'un label, une façon de parler, et que c'est vraiment un changement profond des individus. C'est-à-dire que si on a quelque chose d'autre à partager et à apporter, ben, manifestons-le ici. Je crois que c'est un super bel espace. A priori, le temps, il est avec nous. Donc, ben voilà, je vous souhaite vraiment 2 jours et demi de réjouissance. Merci à tous. Et on lance le truc. Merci. Merci. On va parler du système nerveux et de la force vitale. Et en fait, il va y avoir toute une partie un peu théorique pour vous expliquer et pour que je vous partage en fait ce que j'ai réalisé il y a quelques temps et vous faire part de mon expérience personnelle. Et on va laisser beaucoup de temps libre en fait pour les questions-réponses. Parce qu'en gros, la thématique en fait, sur la force vitale et le système nerveux, c'est une thématique pour vous faire prendre conscience qu'on n'est pas fait pour travailler, on est fait pour passer sa vie à se reposer au soleil. Et je vais vous expliquer comment je suis. Alors, la première chose à faire pour moi, c'est d'essayer de définir en quelques minutes ce que c'est l'éducation pour moi. La définition me semble simple. J'en appelle à l'étymologie. Éduquer, c'est educere, le latin educere. Et educere, c'est tout simplement conduire. La racine duc, qui vient de educere, je la retrouve dans aqueduc, dans viaduc, dans conducteur et dans éducateur, duc. Le schéma de l'éducation, c'est chaque fois que quelqu'un en conduit un autre. Voilà. Donc vous voyez que c'est très vaste, ça dépasse très largement le champ de ce qu'on appelle habituellement l'éducation et les enfants. Donc essayons de nous souvenir que éducation, c'est l'acte tout simplement de conduire. Et la racine le rappelle, hein. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de prendre du recul. Parce que je me suis rendu compte que chez la plupart des patients que je vois au cabinet, ce qui manque, c'est du recul, de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qu'on nous raconte et surtout par rapport à ce que l'on croit savoir. Le savoir aujourd'hui, ce sont les institutions qui nous la donnent, ce sont les médias, et on a été totalement dépossédés de ce pouvoir qui normalement nous est dû. Donc aujourd'hui, les gens sont totalement perdus parce qu'ils sont obligés d'aller voir des soi-disant spécialistes pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se réapproprier une part de ce savoir, retourner un petit peu à la source de certains éléments clés dans le cadre de la santé pour que vous soyez plus enclin à vous poser les bonnes questions. Voilà, donc ça c'est le titre de la conférence. Permaculture et système de culture régénératif. Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la terre. C'est le programme de la permaculture. Alors voilà, ça c'est un grand cycle de pour l'eau qui explique un peu comment on en est arrivé là à avoir des rivières qui soient aussi sales, aussi polluées, et comment nous, avec nos habitats, on est en grande partie responsable de cette situation.
Alors, j'ai représenté les rivières comme ce grand cercle autour, là. Voilà. Alors, c'est les rivières qui sont en grande partie devenues des égouts. La rivière à côté, là, ce n'est pas le cas. Elle est encore assez propre, j'ai pu voir. Toujours est-il que, donc, sur Terre, les systèmes vivants produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ce sont des systèmes autorégulateurs. Donc ça, c'est une propriété que je trouve absolument fondamentale. Je pense que Thierry en parle aussi au niveau du corps. Ça veut dire que le degré de complexité, d'organisation à laquelle la vie a abouti, permet au système vivant, aux organismes, de réguler tout. La forêt, le corps, la température, 9 grammes de sel dans le sang, tout ce qu'on veut, depuis l'échelle de la planète jusqu'à l'échelle de nos cellules, notre température, etc. Donc, système autorégulateur, on parle d'homéostasie. En permaculture, on parle de résilience. On définira peut-être plus tard, plus précisément. Donc en fait, dans la société dans laquelle on vit, on est là à chasser les symptômes, à vouloir les éliminer. Mais si on élimine les symptômes avec des méthodes qui sont avec des remèdes, on va tout simplement empêcher le corps de se guérir. Parce que si vous avez envie de vomir, parce que vous avez un poison et que vous prenez des anti-vomitifs, alors déjà vous allez vous intoxiquer avec ces anti-vomitifs et en plus vous allez empêcher votre organisme d'évacuer le poison qui l'avait encombré et qui avait incité à fabriquer ce symptôme ou cette maladie. Cette particularité par rapport aux symptômes, c'est quelque chose que vous devez avoir vraiment très très clair. Parce qu'aujourd'hui, le moindre symptôme aujourd'hui est devenu l'argument pour vous vendre quelque chose. La chasse aux symptômes, c'est devenu le plan commercial le plus important actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le système médical, aujourd'hui, pour vous vendre plus de produits, on vous invente des maladies. Et les maladies n'existent que par des symptômes. Donc, si vous vous réappropriez le pourquoi du symptôme, vous n'aurez que des alliés, que des amis, et vous deviendrez autonome. N'oubliez jamais ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, faut savoir que c'est dans ces rivières qu'on pompe une grande partie de l'eau, la flèche violette là-haut, et qu'on exerce une forte pression, on met des oxydants dans l'eau, et puis on utilise l'énergie nucléaire pour produire notre eau, l'eau qu'on a au robinet. Alors de cette eau qu'on a au robinet, pour la boisson et la cuisine, on en utilise à peu près 3%. Pour notre chasse d'eau, on en utilise à peu près 40%. C'est là où le bât blesse. Et pour tout ce qui concerne les lavages, on ajoute des détergents, on en utilise environ 57%. Voilà, et il y a pas mal de phosphate dans ça. Et cette force vitale, en fait, quand on la dépense, elle n'est plus. En fait, à la naissance, on est avec un capital de force vitale. Ça, c'est héréditaire. Si on n'a pas de fatalité dans l'énergie du système nerveux, parce qu'on peut vraiment fabriquer l'énergie nerveuse au quotidien, indépendamment de l'hérédité qu'on a reçue, la force vitale, en fait, on la reçoit et on ne peut que la dépenser. Et à partir du moment où j'ai intégré qu'on avait ce capital vital héréditaire et qu'on ne pouvait pas en refabriquer, ça m'a vraiment fait un déclic, merci, qui m'a permis de me dire, mais là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dépenser de l'énergie. J'arrête. Et j'ai arrêté. Alors, si on peut aller vite comme ça, on va tout de suite arriver à la constatation que l'éducation, c'est une relation hiérarchique entre un éducateur et un éduqué, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Alors, je vais pas développer maintenant, mais ça me paraît important de situer ce paradigme-là. Parce que c'est le paradigme qu'on trouve partout. On le retrouve dans l'entreprise, on le retrouve dans les organisations politiques, on le retrouve même dans les organisations humanitaires, on le retrouve dans toutes les associations, il y a un président et des présidés, etc. Comment imaginer que le monde puisse être autrement?
c'est pas possible. Je n'ai vu que ça depuis que je suis né. Je raisonne avec ça et je continue à raisonner. Du coup, on est sur le site de Régénère et on est super content d'être là. C'est magique comme lieu. Enfin, le partage et de rencontre, c'est. Voilà quoi, il y a tout ici. Il y a des fruits, il y a des gens super sympas. On se nourrit d'amour, de paix, de plein de choses. Et ça, c'est magique. Et ça, j'adore. Je suis venu ici pour me nourrir. Moi, je me nourris surtout de noix de coco et de durian. Hein. Non, c'est super, moi je suis venue pour les rencontres, pour rencontrer des gens qui sont dans la même démarche et puis surtout pour l'abondance de fruits délicieux, exotiques, bio, bien mûrs, choses qui sont un peu dures à trouver. Et puis voilà, le soleil, la rivière, on aimerait que ça dure plus longtemps. Ben, moi j'ai fait le plein de fruits exotiques et je me sens moins seule désormais parce que je connaissais que deux personnes qui mangeaient cru et désormais... On en voit plein. On a connu un bon paquet. Ouais. Voilà. Génial. Nous, on a été. Honnêtement, on a été initiés par mon épouse, hein, finalement, à cette régénération via les vidéos de Thierry, qu'elle a suivi assidûment depuis quelques temps, un peu plus d'une année ou deux. Et voilà, il y a une opportunité, cette organisation, auquel on est venu. On est très content. Ah, Yanis. Oui. 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 Et... C'est super. Vous arrivez d'où? On arrive de Bruxelles. Ah, quand même. Voilà. Oui, on arrive un peu de loin, un petit peu. Et on est arrivé jeudi soir et depuis, on prend plaisir, on est bien. Voilà, on se lâche complètement et là, on vit au rythme. De la régénération, exactement. Donc ça se passe très bien. On est très content. Ça s'est passé vite. On aimerait bien que ça soit un peu plus long. Voilà, tellement on s'y sent bien. Et surtout les enfants. Voilà, ils ont découvert le camping ce week-end. Yanis, t'as un mot à dire sur le camping? Tu aimes, tu aimes pas? J'adore! Il adore, voilà. Ouais!
Merci. C'est mort, on est trop. L'homme matérialiste est le cancer de cette planète. Il a fait des pistes de ski dans le désert. Vas-y Joe, suicide-toi, respecte la vie. Ça, c'est Max qui essaie de me vendre la surpopulation. Alors les chiffres qui vont suivre, attention, c'est du lourd. Je le tiens de Serge Latouche, un économiste, hein, professeur à l'université, qui nous dit « sa maison ». Jusque-là, tout va bien. Nombre d'habitants, 7 milliards. Espace disponible, 54 milliards d'hectares. Espace nécessaire pour notre reproduction à nous, les hommes, 12 milliards d'hectares. Ça fait 1,8 hectare par personne. Bon. Là, on a un autre scientifique qui s'appelle Claude Bourguignon. Claude Bourguignon, comme son nom l'indique. C'est un Marocain. Il nous dit qu'il faut par personne et par année pour manger au moins 700 mètres carrés. 3 terrains de tennis. Donc 3 terrains de tennis sur 2 terrains de foot, on tient facilement sur cette planète à 20 milliards d'habitants, sur population. Sauf que nous, les Occidentaux, on a pris l'habitude pour notre confort de consommer l'équivalent de 10 terrains de foot. Donc là, la solution, c'est de tuer les Indiens, les Amérindiens, les Libyens. On l'a fait, ça. Attends. Bref. Si tu veux, la surpopulation, une ville comme Paris de 10 millions d'habitants. Mais ça n'existe pas. C'est comme être à 10 dans des chiottes. C'est suspect. Malheur à vous, docteur de la loi. Alors, docteur de la loi, vous mettez tous les sachants, tous ceux qui ont dû savoir. Et là, je renvoie vers la conférence excellente qu'a donnée Pierre hier, je l'en remercie, hein, sur la différence entre savoir et connaissance. Et tout est résumé dans cette phrase, dans ce verset. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, c'est la connaissance. Vous avez enlevé la clé de la science parce que vous avez tout ramené à du savoir. Et tout notre système éducatif ramène à du savoir. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et on est vraiment à cet instant de fracture. Donc, c'est ce moment de fracture que j'aimerais bien analyser. Parce que l'alimentation a été indéniablement un soutien formidable. Et je pense que tous autant que vous êtes, vous pouvez en témoigner. L'alimentation est un soutien formidable, comme un des innombrables paramètres de santé, un paramètre de santé qui a été extrêmement dévoyé, et ça, on va y revenir, mais pour moi, ça n'a pas été le facteur primordial. Vous êtes dans le cru, vous êtes rentré dans une histoire, c'est un chemin, c'est pas une fin en soi. Vous n'avez pas trouvé, vous ne trouverez pas, c'est un chemin qu'il faut avancer. Vous allez passer par des étapes, vous êtes en période de transition, il y a les jus, il y a la cruzine, il y a plein d'autres modes, il y a l'hypotoxique de signaler, et puis pensez bien que c'est un chemin, vous êtes parti sur un chemin. Et ce chemin, il y a plein d'outils. Et moi, ce que je compte, ce que je veux apporter, c'est qu'ils sont tous complémentaires, ces outils. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Ils sont utilisés au bon moment, ils ont vraiment une force, ils ont une utilité. Donc ça, c'est vraiment une étude que je vous invite tous à prendre conscience, au moins quelques-uns. C'est « Halte aux effets électromagnétiques, comprendre et éviter leurs impacts sur notre santé » du docteur Jean-Claude Albaret. Voilà. Alors je suis vraiment heureux parce que j'avais, je vous dis, depuis 8 ans ou 9 ans, l'intuition profonde que notre dégénérescence commune venait d'un point commun qui est l'électricité domestique. Et donc j'ai fait quelques vidéos pour montrer aux gens comment on peut repérer ce qui me paraît, à moi aujourd'hui, et ce qui paraît aussi à ces docteurs, parce que moi je suis qu'un artisan, je ne suis pas docteur, et des endroits potentiellement dangereux, notamment les lampes de chevet que vous pouvez avoir à côté de votre lit, qui vous paraissent complètement banales et éteintes. Ça n'est pas vrai, elles sont peut-être aussi mal branchées, donc c'est ce que je montre dans ma vidéo, dans des vidéos. Suivant comment elle est branchée, vous pouvez avoir une phase active ou pas. Si vous avez une phase active, vous avez une antenne à côté de la tête qui émet en permanence des champs électriques, que tout le monde va vous dire que ces champs électriques ne sont pas dangereux. Quand on met un oscilloscope à côté, on voit que ces champs électriques transportent avec eux l'ensemble des radiofréquences. Et ça, c'est très dangereux. Ça. Voilà. Ça veut dire que l'électricité qu'on croit être complètement propre et banale est une électricité hautement toxique. Et toxique par quoi ? Par des hautes fréquences qui se baladent sur le réseau 50 Hz. Donc vous avez tous compris, plus ou moins, et on va y revenir tout à l'heure, qu'il y a des lois physiologiques, hein, et qu'il y a un fonctionnement du corps humain. Et que ce fonctionnement-là, bon, il y a des multiples expressions circonstancielles,
propre à chaque individu, mais que derrière ça, il y a des principes qui sont uniques. Des fois, il y a des gens qui disent « Mais Casasnovas, il a complètement disjoncté, complètement mégalo. Il pense qu'il y a une seule vérité pour tous les individus. Mais regarde, il y a des tas de gens, et les Esquimaux, les gens d'Okinawa, les choses comme ça. » Moi, je leur dis « Mais au niveau du vivant, il y a des principes. Et ces principes du vivant, ils sont valables absolument pour tout le monde. Ça ne souffre aucune exception. » On va en parler tout à l'heure, ça ne souffre aucune exception. Il y a des lois. Et ça, maintenant, ben, j'espère que vous l'avez plus ou moins intégré. Alors, dommage que tu ne parles pas du développement durable, c'est la solution à tous nos problèmes. Mais qui écrit ça ? Bon, je vous explique. Un suppositoire, si c'est gras, c'est pas pour le goût. Faut que ça glisse. Ben, le développement, c'est un poison. Serge Latouche, il nous explique. Une croissance infinie est incompatible avec un monde aux ressources finies. Bon, quelqu'un lève la main, n'importe qui. Lève la main, quelqu'un, allez. Voilà, bon, en rouge. Imagine, t'as le cancer. Il fallait pas lever la main. Voilà, c'est le seul moment. Yannick, c'est ça ? Yann ou Yannick ? Yannick, ouais, c'est toi qui fallait lever la main, parce que c'était ma victime. Bon, bref, tu as le cancer. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, ça va, mais les poumons, c'est la Courneuve. Bon, pour la tumeur de cette personne, qui veut la croissance ? Trop méchant. Qui veut le développement durable ? Plus, plus, un petit peu plus, un peu plus, plus, plus. Voilà, non. À moins d'être un dégénéré, n'importe qui voudrait la décroissance. La décroissance. Tout le spectacle, il tient dans ce mot-là. Parce que quoi ? Parce que la croissance, c'est l'ADN du capitalisme. Les mecs, ils sont tellement chauds sur la croissance, ils parlent de la croissance négative. Je suis pas humoriste, mais ça, c'est une putain de vanne. Ayant pris conscience de ça, j'ai mis en place quelques outils. Un des premiers, c'est ça. C'est des câbles comme ça que l'association fabrique, que vous trouverez nulle part. C'est des câbles pour mettre des appareils à la terre qui ne le sont pas. Parce que tout appareil qui est branché à la terre, qui a trois fils, n'émet pas de champ électrique. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'appareils qui sont en deux fils. Les télés, autrefois, avaient trois fils. Donc, avaient la prise de terre. Elles n'émettaient pas des champs électriques. Aujourd'hui, elles n'ont que deux fils. Donc, comme elles n'ont pas la terre, c'est des émetteurs de champs. Donc, j'ai créé ces câbles pour les mettre à la terre. Ça sert aussi pour les ordinateurs qui ne sont pas à la terre, les Livebox, les PS3 pour les gosses. Enfin, tout ce qui n'est pas à la terre peut se mettre à la terre avec ça. Voilà. Donc, cet analyseur sensoriel périphérique. Donc, nous avons les moyens d'appréhender notre environnement dans l'optique de survivre, de trouver à manger et de nous reproduire. Et nous avons développé des sens. Parallèlement à ça, nous avons une constitution, une physiologie et des équilibres à maintenir. Et ce phénomène s'appelle l'homéostasie. Vous avez entendu parler de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on a, une fonction qui nous permet de maintenir en équilibre toutes nos fonctions et tous nos fluides corporels. Et ça, on le néglige trop. Pourquoi on te dit ça ? Parce que ça aussi, ce sont des lois. Ce sont des lois. Et ouais, il y a des lois dans le monde spirituel. Alors, il y a des lois dans le monde physique, il y a des lois dans le monde spirituel. Et là, on parle, je suis vraiment en dehors de toute forme de religion. Là, je vous parle vraiment de lois spirituelles. Certaines formes religieuses s'en sont emparées, les ont utilisées, mais je vous parle vraiment de lois spirituelles. Et quand moi, je suis tombé au plus bas, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Ben, j'ai réalisé que j'étais en train de morfler, j'étais en train de payer parce que j'avais enfreint certaines lois spirituelles. Certaines lois spirituelles lourdes, qui est, par exemple, ben, tu ne dois pas voler ton proche. Tu ne dois pas lui mentir, tu ne dois pas le tromper, parce que cette tromperie, ce mensonge, mais il te bouffe de l'intérieur. Il te bouffe littéralement et il te mange de l'intérieur. Alors, si je vous ai fait cette petite introduction, ce n'est pas pour faire un préchi-précha à deux balles. C'est parce que je vais essayer de vous montrer que l'alimentation, c'est important, mais en vérité, on peut le régler en 5 minutes. Et une fois que c'est réglé, on peut passer à d'autres problèmes. Et le truc, c'est que moi, à force de faire des vidéos avec des extracteurs de jus et tout, parce que je ne sais pas où poser mon bras, alors avec un extracteur de jus, c'est pratique, ça me donne une certaine forme de tenue, hein, je peux avoir induit l'idée que tout le salut viendra par l'alimentation. Et d'ailleurs, c'est rigolo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je me dis, finalement, on est une civilisation, globalement, les formes religieuses, on en a peur. Hein, on est laïque, et puis attention, hein, le religieux, il ne faut pas en parler. Et finalement, sous prétexte de ne plus avoir de forme religieuse, j'ai créé des adorateurs de la carotte, des disciples de la pastèque, des adorateurs de l'argile
ou du complément alimentaire. Alors j'ai créé non, parce que tout le monde fait, et moi je suis rentré là-dedans, comme un petit singe savant que je peux être. Hein. Mais je me dis, finalement, de l'idolâtrie, il y en a à tous les niveaux. Et si on n'a pas une idolâtrie religieuse, la religion, on va la transporter sur autre chose. On va chercher un salut à l'extérieur en permanence. Le discours, en fait, de l'association, il est assez simple. C'est faites attention à l'électricité chez vous, c'est pas du tout ce que vous croyez. Voilà. Je pense qu'on est à l'aube d'un renversement vraiment des croyances sur notre physiologie. Nous sommes des êtres électrosensibles, tous. Nous sommes tous électrosensibles. Ça, il faut le savoir. Nos cellules, on le sait depuis pas longtemps, ont des cristaux de magnétite. Voilà. Et pas que les cellules du cerveau. Hein. C'est-à-dire que chaque cellule a un cristal de magnétite et sert en permanence l'axe nord-sud. Et les courants électriques modifient ce champ magnétique et donc perturbent nos cellules. Et c'est pour ça qu'après, nos cellules, moi j'appelle ça des bugs. Voilà. Notre cerveau bug, voilà. Comme un ordinateur, il envoie de mauvaises informations parce qu'il est perturbé. Il rentre dans un champ qui le perturbe énormément et il donne de mauvaises informations au corps. Voilà. Ça, c'est mon interprétation, mais qui vaut ce qu'elle vaut dans ma compréhension des choses. Notre système de régulation, il tient compte de notre environnement. Et c'est tout le travail que j'ai fait, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est que pour celui qui se sert de tout cet appareil dont je viens de vous parler, la réalité, c'est l'environnement. Et il y a des catégories dans l'environnement. Il y a des aliments de proximité qu'on trouve tout le temps autour de soi. Pourquoi ? Parce qu'on est allé se promener, on a mangé des tomates, on a pris les graines, on les a digérées dans le caca, on va faire caca autour du camp, et à la première pluie, il y a des tomates qui poussent. Donc dès qu'il y a des hommes qui s'arrêtent quelque part, il y a certains aliments qui poussent. Et ça fait venir aussi le fait d'habiter quelque part, d'avoir des déchets, ça fait venir des petits animaux. On a des aliments de proximité. On peut les avoir toute l'année. Et il y a une autre catégorie, c'est les aliments saisonniers. Les cerises, c'est que 2 mois par an. Et le dernier, c'est les aliments aléatoires. La viande, c'était très rare, on ne chassait pas pendant ces millions d'années. Donc il y a 3 catégories qui sont vraiment, qui ont une réalité physique par rapport à notre système sensoriel. Et donc ce n'est pas du tout étonnant que nous ayons, nous, coévolué avec ça. Donc, pour ces aliments qui sont très, très importants pour nous, parce que ce soit la viande avec les graisses ou les fruits sucrés, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie à bon compte. Donc, nous avons, nous, sensoriellement, une appétence très importante pour ces aliments-là. Et nous n'avons pas de mécanisme d'arrêt instinctif, d'arrêt sensoriel. D'où l'énorme problème aujourd'hui, parce que tous ces mécanismes, ils sont... Bon, tout ça, c'est bien expliqué. Là, je vous dis ça en résumé, mais c'est beaucoup d'explications, mais je ne peux pas le faire là. Le problème, je passe directement au problème. Tout ça, ça marche très, très bien. C'est tout à fait au point. Sauf qu'aujourd'hui, ben, avec les transports, on a tout sous la main et on n'a aucune notion de la disponibilité naturelle. Si j'aime les avocats, je vais en manger toute l'année. Mais dans la nature, je ne peux pas. Et donc j'induis des déséquilibres. Si moi, par le raisonnement, j'essaye pas d'appliquer ces réalités, parce que ce sont des réalités matérielles de la nature. Hein, quand je vous parle de proximité, de saisonnier, d'aléatoire, je ne l'ai pas inventé, c'est pas tombé du ciel, ça correspond à une sensorialité qui a été bien étudiée. Tout ça, c'est du réel, c'est du vrai. Je vais vous montrer la croissance. Bon. Ça, c'est l'équivalent de ce que la planète a à offrir chaque année en matières premières. Ça, c'est l'Amérique. Non, la Chine, on va dire. L'Amérique. Ça, c'est la France. C'est nous. Très important. Charité bien organisée. Je ne connais pas la suite. Ça, c'est le Vietnam. Bon, tu vois, j'ai mis un petit côté oriental. Voilà. Et l'Afrique. Désolé. Alors, voilà. Alors, un petit peu pour les extraterrestres. Enfin... Hein. Voilà, ça c'est nous, charité, tout ça, non, non. Voilà, oh pardon, le Vietnam. Voilà. Ok. Voilà. Donc nous on est là, si on veut la croissance, il faut bien la prendre quelque part. C'est fini, il n'y a plus. On ne va pas prendre nos extraterrestres, nos Américains. Hein ? Non, voilà, en gros, la croissance, la décroissance. Bon, voilà, ils applaudissent encore à Paris, mais vous ne prenez pas la tête, on est entre nous. Et...
quelques mots sur le Festival Regénère. Un cadre magnifique, entouré de montagnes. Le premier jour, il pleut. Et le reste des jours, grand beau temps. Bon, ça, c'est pour la partie extérieure. Et on partage beaucoup. On partage, d'accord, de la nourriture, de la nourriture vivante, beaucoup de crues, beaucoup de choses comme ça, mais aussi beaucoup de relations qui nous réchauffent de l'intérieur. Et ça, ça fait plaisir. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec tout ce que j'entendais. Mais c'est intéressant, des gens qui posent des choses et ça permet de se faire son opinion et d'avancer un peu sur son expérience. Donc voilà ce que je peux en tirer du Festival Regénère. Écoute, pour moi, ça a été une réunion de moments magiques, de rencontres assez exceptionnelles, de retrouver beaucoup de joie aussi à voir du monde, à échanger, d'avoir des instants incroyables que on n'aurait même pas imaginé, un petit sauna dans une caravane, sortir sur le clair de lune, aller se baigner et puis retourner dans le sauna, rencontrer des gens, avoir un bar à jus. Le lieu était assez exceptionnel aussi, la diversité des gens. Et pour moi, c'était quelque chose de très riche, de très heureux, qui permet de retrouver la joie et l'énergie pour encore mieux avancer vers la construction de l'avenir pour qu'on s'épanouisse tous de plus en plus. Génial. Merci. Au-delà des connaissances et des intervenants qui étaient dans plein de domaines, il y avait vraiment une ambiance ultra festive, bienveillante. Enfin, vraiment, les gens étaient beaux à voir de l'extérieur et avec des belles âmes, quoi. Donc c'était vraiment chouette de se sentir entouré comme ça de belles personnes, de belles énergies. Et puis on a eu quand même de la chance avec le temps, malgré le premier jour avec de la pluie, mais c'était une pluie, ça va, c'était pas dru. Mais après cette première journée un petit peu pluvieuse, quel bonheur de sentir le soleil sur soi et d'avoir ce vent, cette brise, enfin tout était réuni. La seule chose, c'est qu'on a... je ne pouvais pas me dédoubler et qu'il y avait plein de choses que je voulais faire et que je n'ai pas pu faire. Mais sinon, que du bonheur, quoi. Le sauna, tout, la rivière, la lune, les étoiles, tout était bien. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Bah, moi, ça m'intéresse. Les gens qui sont ici m'intéressent, tu vois, parce que les gens qui sont ici font une démarche. Tu vois, ils font une démarche vers la nature, vers s'écouter eux-mêmes, vers tout ça, donc ça m'intéresse. Et apparemment, c'est réciproque, c'est-à-dire que les gens m'ont beaucoup renvoyé que je leur avais beaucoup apporté. Donc voilà, ça veut dire qu'on est dans le même mouvement, tu vois. Donc voilà, quoi, c'est tout simple en fait. Hein. J'ai vu beaucoup de très très beaux sourires, quoi. Des gens qui te regardent, qui te disent des choses adorables et qui ont un visage merveilleux. C'est surtout ça qui m'a frappée, le visage merveilleux des gens. Yes. Le prochain morceau, il est destiné au soleil qui se trouve dans le cœur de chaque être. Voilà, même quand il fait pas très beau et tout, le soleil, il est toujours là. On a Maurice ! Et Maurice vient de rentrer. Que l'émotion. On emboîte des rayons de soleil et des rayons de sourire. Quand la vie devient morose et lorsqu'on pense qu'elle est moins rose, reçoit des rayons de soleil et des rayons de sourire. Pour pallier au froid intérieur quand notre météo fait grise. Mais on envoie des rayons de soleil et des rayons de sourire. Quand la vie devient morose et lorsque je pense qu'elle est moins rose, reçoit des rayons de soleil et des rayons de sourire. Un sourire ne coûte rien, pourtant il apporte beaucoup. Il réchauffe et réconforte et l'environnement change tout d'un coup. Envie de remercier, d'amener aussi ma contribution. Des smiles par dizaines, par centaines, en libre distribution. Allons sourire aux proches et aux étrangers. Simplement de l'amour partagé, simplement de la joie échangée. Sourire aux arbres et à la terre, un big smile pour tout l'univers. Ça part de toi ma soeur mon frère. Sourire aux proches et aux étrangers, simplement de l'amour partagé, simplement de la joie échangée. Sourire aux arbres et à la terre, un big smile pour tout l'univers, ça part de toi ma soeur mon frère. On envoie des rayons de soleil et des rayons de sourire. Je me sens vraiment rempli de gratitude en fait, pour tous les gens qui ont permis que ça se soit possible, parce que justement ça a créé un espace où
des gens un peu comme nous qui ont des fois un peu du mal justement à créer des connexions et des fois peuvent même se sentir seuls, ont enfin un espace en dehors des stages où on est toujours en train de courir à droite à gauche et tu vas bien, oh j'ai l'air super intéressant, etc. On a enfin un espace où on peut prendre le temps de se rencontrer, d'échanger et ouais, prendre le temps de se rencontrer, d'échanger, c'est déjà un besoin fondamental qu'on a pour ensuite porter le mouvement qu'on veut tous incarner, tout simplement. Un landau blanc, peau dentelée, un nouveau-né, 3-4 dents de lait. Un millier de sourires angéliques. 5-6 années après, un lit bordélique dans une petite chambre ordonnée. C'est 3-4 semaines dents de lait. Sous un oreiller, une petite souris. 6-7 pièces. Un enfant qui sourit, si tôt réveillé. Deux parents endettés, embêtés par des milliers d'impayés. Mais deux parents accueillants, ces rayons souriants. Deux amoureux émerveillés, si tôt réveillé. Deux amoureux émerveillés, si tôt réveillé. Ils reçoivent des rayons de soleil et des rayons de sourire. Tu veux pas me faire un petit bonsoir en tant que bénévole? Moi, si tu veux, moi je m'occupe de la gestion des bénévoles. C'est le rush, mais c'est super, on s'éclate, on a le beau temps et on a des gens qui sont motivés, donc c'est tout nickel. Les conférences, les ateliers, les gens, la fête, la musique, les fruits qu'on a trouvés qui étaient aussi bons. Moi, je suis reparti avec tout un stock. J'ai rempli tout mon sac avec tous les fruits de York qui sont absolument fantastiques. Et maintenant, je suis très content de rentrer sur Marseille avec tous ces souvenirs. Et je crois qu'on va se donner rendez-vous très bientôt parce que ça va se renouveler, me semble-t-il. Et j'ai hâte. Bon. Très bientôt. Bon, de toute façon, ce que je ressens, c'est assez simple. Là, c'est comme un petit peu d'habitude. C'est-à-dire que tu te rends compte que finalement, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. C'est pour reprendre la phrase de Balou dans le livre de la jungle. Quoi. Il en faut peu pour être heureux, mais c'est ça. Tu interroges tous les gens, tu te rends compte que... Voilà. On est dehors, on mange des fruits, on est au soleil, on partage. C'est surtout ça, je crois, qui touche énormément les gens. C'est de se retrouver dans un cadre dans lequel il y a du temps. Il y a du temps pour se rencontrer, pour partager. Il y a une douceur dans la relation, il y a un soin dans la relation. C'est autant de choses qui manquent complètement dans notre société. Donc, le truc qui revient sans cesse, c'est voilà, on s'éclate pendant 3 jours. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le vivre tout le temps, quoi? Et c'est toujours la question qui revient. Et c'est la seule question, je crois, qu'on doit se poser. C'est pourquoi est-ce qu'on accepte des conditions de vie invivables, alors que ce qui me plaît, ben, c'est ça, quoi. C'est vivre ensemble, c'est partager, c'est vivre de peu, finalement, avec un confort relativement sommaire, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Et je pense qu'effectivement, le confort matériel n'est là que pour compenser la pauvreté et le manque de nourriture que l'on reçoit dans notre vie. Et là, on expérimente ça directement. Donc, c'est une super expérience, trop courte, bien sûr, toujours trop courte. Mais première grosse expérience, on va réfléchir à comment on va remettre ça l'année prochaine, mais de toute façon, de la vie de tout le monde, il ne faut pas en rester là. Puis c'est vrai que moi, j'ai envie de passer vraiment, pas d'arrêter les stages, mais de changer vraiment la forme. Et je trouve que le genre camp où on vit tous ensemble, où on s'implique, où il y a vraiment des responsabilités prises par tout le monde, où il n'y a plus de clients et de fournisseurs, de prestataires et de clients, je trouve ça excellent. Et là, il y avait un grand nombre de bénévoles, même ceux qui n'étaient pas bénévoles sont devenus des bénévoles de fait, quoi. Tout le monde s'implique et ça, c'est juste fabuleux. Donc ça a très bien marché, on a eu quand même un beau temps, on va dire, dans un lieu magnifique, rien à dire, tout le temps. Ça vient un peu. Petite chose au niveau organisation, parce que moi je suis du côté organisation qu'on doit encore modifier, mais le reste. C'est super. C'est cool. Merci. Respect à toi, œuvrant dans des projets solidaires. À toi qui sois la terre nourricière, dans ton Zion en solitaire. Familial ou collectif, qui fait du woofing, du tri sélectif. Merci à toi, réceptif à la surexploitation animalière et cherche des aliments alternatifs, natifs de la terre. Merci à toi qui préserve celle de tes anciens et la cultive sans pesticides. L'ouvre même à des projets durables et communs avec les pestes d'ici. Nous autres citadins en chien, mûrs pour quitter les nôtres, prêts au retour à la terre. Thanks à ton encore plus rare qui offre des solutions naturelles aux maladies soit dites incurables, à
à toi qui protèges les nappes phréatiques, crée des banques de semences actives, propose en prison des ateliers créatifs. Gracias, tio, tia, d'offrir des couleurs aux infernaux, paradis de pierre à toi qui graffe. Shukran à toi qui ouvre des squats, fais de la récup, protège les squales et autres animaux en voie de disparition. Jerry Jeff, toi soldat israélien qui a dit chef, cette fois-ci pas de mission. J'arrête le massacre injuste de ces expulsions. Tof Toda, mon frère, Tof Toda. Et Inch'Alléluia, bénédiction au prochain homme politique en germination qui stoppera la dictature en rendant démocratique la nation. À toi qui prends le risque d'une vie sociale instable dans l'humble espoir que l'humanité atteigne un meilleur stade. Pour ce boulot au quotidien, en toute modestie, mon frère, ma sœur, je t'honore. Tu es de l'or. C'est la révolution. Et je vous en remercie, la familia. Merci. Merci à toi, à ceux qui agissent pour la paix, à tous les êtres sur la terre qui soutiennent l'humanité par leurs actions, par leur présence et par leurs pensées. Ils sont acteurs et créateurs d'une nouvelle réalité. À toi, à ceux qui agissent pour la paix, à tous les êtres sur la terre qui soutiennent l'humanité par leurs actions, par leur présence et par leurs pensées. Ils sont acteurs et créateurs d'une nouvelle réalité. À toi, à ceux qui agissent pour la paix, à tous les êtres sur la terre qui soutiennent l'humanité par leurs actions, par leur présence et par leurs pensées. Ils sont acteurs et créateurs d'une nouvelle réalité. À toi, à ceux qui agissent pour la paix, à tous les êtres sur la terre qui soutiennent l'humanité par leurs actions, par leur présence et par leurs pensées. Ils sont acteurs et créateurs d'une nouvelle réalité.